Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne YouTube Cooking with Mira. Je m'appelle Mira et aujourd'hui j'ai commencé un show sur YouTube. Et puis aujourd'hui je vais cuisiner des fettuccine à la carbonara. Ma famille utilise toujours cette recette qui goûte super bonne, donc j'espère que vous allez aimer ma recette. Et oui, c'est ça! Donc premièrement, on va faire bouillir l'eau et en attendant que ça bouille, on va préparer la sauce carbonara. Ensuite, on va couper le bacon en tranches pas mal minces et ensuite on va le faire frire jusqu'à temps qu'il devienne pas mal croustillant. Donc, en attendant que le bacon est cuit, dans un autre bol, on va mettre l'œuf, le jaune d'œuf, puis à peu près 30 grammes de parmesan, puis on va tout mélanger ça ensemble pendant à peu près 30 secondes. Quand l'eau a commencé à bouillir, rajoutez une pincée de sel puis les pâtes. Dans un autre bol, prenez quelques pincées de paprika puis rajoutez ça à la crème et brassez ça tout ensemble. Après que le bacon a fini de cuire, enlevez toute la graisse puis l'huile du poêlon parce qu'on ne veut pas autant d'huile dans nos pâtes. Après que les pâtes ont fini de cuire, on va les égoutter. Et puis après, on va les remettre dans le chaudron avec le beurre, puis on va attendre que le beurre y fond tout, puis jusqu'à temps qu'il se répande partout sur les pâtes. Donc dans le chaudron où il y a le bacon, on va rajouter la crème, puis on va tout mélanger ça jusqu'à temps que la crème s'épaissit. Qu'est-ce qu'on veut, c'est que la crème absorbe toute la saveur du bacon. Après avoir mélangé la crème et le bacon, on va rajouter les pâtes toutes beurrées avec les œufs et le parmesan et on va tout brasser ça ensemble. Assurez-vous que le poêle est éteint parce qu'on ne veut pas que les œufs deviennent brouillés. On veut que ça devienne une sauce genre super crémeuse. Après ça, vous pouvez le servir sur une assiette et rajouter du sel, du poivre et le parmesan qui reste. Puis c'est ça, c'est fini! Bon, c'est prêt. Je vais goûter. Oh my God, c'est bon. Ça là, c'est bon. Ah, Moses, je blague pas là, mais oh, faut que vous le fassiez. Ça goûte trop bon. Il y a plein de fromage, la crème, les œufs, le bacon. Ah, oh, ça goûte trop Donc, à chaque semaine, je vais essayer de mettre en ligne une recette. Je sais pas trop quoi, qu'est-ce que je vais faire, mais ça va être des recettes soit canadiennes, américaines ou européennes. Donc, merci d'avoir regardé, puis regardez à chaque semaine, ça va me faire plaisir. Bye bye!